Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui un kit de projet qui est dans le catalogue en toute occasion de Stampin' Up 2019 en page 21. Vous allez voir, page 20, vous avez un autre kit ici, kit tout compris avec le jeu des tempes inclus. Vous allez pouvoir créer 12 cartes et vous avez les enveloppes imprimées. Vous avez tout ce qu'il faut, même un bloc et un Stampin' Spot. Moi, aujourd'hui, je vous présente ça ici, celui-là, pour commencer. Le jeu des tempes est à part. Hein, on le voit ici quand c'est séparé par la ligne, là. Donc, c'est pas un kit tout compris, c'est un kit où le jeu des tempes est à part. D'ailleurs, j'ai oublié de le commander et j'ai choisi d'autres vœux, vous allez voir ça. Vous avez tout le matériel consommable nécessaire. Et vraiment, là, je l'adore ce kit-là, là, parce que je voyais les formes découpées au laser, les papiers découpés au laser, j'adore ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça m'a donné un 2 heures à peu près d'amusement la fin de semaine au chalet, sur le bord de l'eau, à bricoler, à monter ces cartes-là. Et ce qui est vraiment bien pensé, c'est qu'on peut les offrir en cadeau, puisqu'il y a un boîtier ici qui est offert quand vous le commandez. Alors, je vous montre ça tout de suite. Vous avez 4 modèles et vous avez toutes les enveloppes qui sont imprimées. Ça fait chic, hein? Pour aller accompagner ces enveloppes-là, ces cartes-là, pardon. Donc, le premier modèle, donc c'est 16 cartes et 16 enveloppes. Premier modèle, et si je l'ai fait tel quel parce qu'il est trop beau, j'avais pas le goût de le changer. C'est souvent ça qui m'arrive avec les kits de Stampin' Up parce qu'ils sont très très beaux. Écoutez, il n'y a personne qui va penser que l'arrière-plan a été fait à la machine. Il est tellement beau, c'est comme ils ont vraiment numérisé une aquarelle, c'est clair, là. Ils ont fait beaucoup de brossage de pinceau. C'est de toute beauté. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est coller par-dessus le papier qui arrive déjà découpé au laser et monter tout le reste. Et regardez, la petite cordelette ici, les fleurs, les cristaux du Rhin et le feuillage qui est vraiment super beau. C'est limonade à la limette en diamant. C'est vraiment de toute beauté. Donc, vous en avez 4 comme ça. Au début, je pensais que ça allait être ma préférée, mais finalement, j'ai de la misère à choisir parmi les 4 parce qu'elles sont très, très belles. Ici, là, j'ai des petits bouts de colle que je vais aller enlever, là, parce que j'avais pas... j'étais tellement dans ma bulle et tellement relaxe avec ma tasse de café que j'avais oublié de regarder ce que je collais ma découpe au laser du bon côté. Donc, je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça va arriver de mettre de la colle à l'envers avant d'aller voir... coller par-dessus. Alors, faites attention. C'est le fun. Il y a du beau petit argenté aussi sur le contour de tous les vœux. Donc, j'ai bien aimé ce modèle-ci également. La carte aux agrumes. Donc, voyez-vous, une autre façon, une autre disposition. Vous auriez pu la monter dans l'autre sens également. Et je vous montre, les agrumes sont faites pour aller directement en dessous du papier, découpé au laser. Mais regardez ici, c'est ma première. J'étais dans la lune encore une fois, puis je l'ai collé. Il aurait fallu que je le colle dans l'autre sens. Mais je trouve ça beau quand même. Donc, je voulais vous le dire, parce que si ça vous arrive, c'est pas la fin du monde. Et puis, le quatrième modèle, regardez-moi ça, encore là, un travail à l'aquarelle dans le fond. Vous avez en dessous du papier découpé au laser, le papier à paillettes, limonade à la limite, les cristaux du Rhin, et bingo! C'est un des plus beaux, je trouve, kits de projet. Donc, vous avez votre boîtier de cartes qui arrive à plat. Vous avez simplement à le monter, tout simplement. Et si vous décidez de poster ces cartes-là, vous pourrez ranger des cartes pour différentes occasions ou en donner en cadeau à quelqu'un et ça ferait ça un super beau cadeau. Vraiment, vous pourriez utiliser des vœux de remerciement et remettre ça à une nouvelle mariée, etc. Donc, quelqu'un qui s'est fait opérer, qui reçoit beaucoup d'aide, va vouloir envoyer des cartes de remerciement. Bref, on a tous besoin de cartes dans l'année. Pourquoi pas profiter de ce kit-là pour faire plaisir? C'est un beau cadeau aussi pour les professeurs à la fin de l'année scolaire, là. Les professeurs vont adorer ça, je vous le jure. Vous allez en entendre parler longtemps. Donc ça, c'est un kit qui se vend 37$. Et si vous rajoutez le jeu des tempes qui est coordonné avec un petit bâton de colle, vous arrivez à peu près à 60$. Donc vous avez la possibilité de choisir une prime de 60$ en cadeau dans la brochure Celebration, ce qui n'est pas à négliger. Alors sur ce, si vous avez des questions...
N'hésitez pas à m'en poser et visiter lamagedesetampes.com. Je mets mon site à jour au moins 4 fois par semaine. Bonne journée!